Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball FighterZ. Nous allons continuer le mode histoire du côté des méchants. Il y a eu pas mal de blabla sur l'épisode précédent. On a eu l'affrontement contre C18, avec bien sûr le retournement de situation et l'association de Goku et de Freezer, association un peu bizarre pour affronter donc... C21, donc on va continuer le mode histoire et on va découvrir. Alors, est-ce que vous pouvez modifier l'équipe et faire un truc complètement bizarre? Ah ouais, Goku et Krillin. On va faire full méchant. Voilà. Allez, c'est parti. Toujours à chamailler. Que tu peux pas. Toi, tu te ferais défoncer par celle. Y a pas d'âme? Si, c'est pas un truc. Ah bah si. Voilà, tu peux pas. Qu'est-ce que j'avais dit? N'importe quoi. Juste pour un aspect esthétique. Ah bah oui, la grenouille. La grenouille. La fameuse grenouille. Avec l'histoire de Goku qui jette la grenouille pour l'inversement de l'âme et que du coup Ginyu se retrouve dans une grenouille, la grenouille la plus puissante de l'univers. Allez, baston. Après cette petite aparté et ce petit clin d'œil sur le manga Dragon Ball Z. Alors. Viens là que je te casse la bouche. Oh. Voilà, j'essaie de la jouer un peu plus posée et...
Allez. Je crois que t'allais faire quoi là? Hop là. Suivant. C'est qui? Ah. Tiens, un joli enchaînement de... Oh. Allez, voilà. Ça c'est fait. Tranquille, pépère. Hop. Nouvel ennemi. Et donc là, il y a Goku qu'on va affronter maintenant. C'est bizarre. Bon, c'est le clone de Goku. Alors, Vegeta. Allez hop. Salut. Pourquoi je saute dedans? Allez, le petit dernier. J'aime bien Ginyu, il est plutôt... Allez, boum! Cher, cher Nappa, enfin clone de Nappa en tout cas. Et ici, les clones de Goku, de Sangohan et de Trunks. Qui voulait s'attaquer à Bulma. Il faut tout détruire de toute façon. C'est à moi que tu parles là? Ah, ce clin d'œil, genre appuyer n'importe comment sur le bouton, il parle bien sûr du joueur. Freezer, le petit malin. Oh, oh, problème d'ordure à régler, attention. Ça commence à venir. Allez, baston.
Allez hop là. Je crois que c'est la première fois que je joue avec celle d'ailleurs. Il a l'air vif, il a l'air assez vif, celle. Ok. Oh, foiré. Allez hop, salut. On a sauvé Bulma du coup. Alors, est-ce qu'elle va libérer ces messieurs et va y avoir baston avec Goku et Trunks? Ou est-ce qu'ils vont partir chacun dans leur coin? Passe vraiment pour un abruti, Goku. Tu m'étonnes. Rien que voir sa gueule, j'aurais pas confiance. Ça y est, explication, du coup ils vont passer à la machine. Moi j'aurais pas confiance, mais bon. Tu fais quoi là? Ça c'est Bulma, c'est la Bulma qu'on connaît ça. Alors, comment celle va réagir? Ah, t'as l'air... la tête qui tire. Ah, t'as l'air con maintenant. Hein.
Ouais, alors je me méfierais. Forcément, t'as du mal à comprendre, écouter de travers. J'exige des réponses carrément. Après, si c'est juste appuyer sur un bouton. Les mecs se prennent pas pour de la merde, quoi. Allez, je vais déjà de la peine pour elle, c'est quand même Bulma, quoi. Eh ben non. C'est ça. Ouais, bla 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 bla. Chien qui aboie ne mord pas. Finalement, ça s'est plutôt bien passé.
serait attendu à de la traîtrise dans tous les sens. Bon, on a pu avancer un petit peu sur ce mode histoire. Donc on va s'arrêter au chapitre 6, carte 7. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de l'aventure de Dragon Ball FighterZ. Et si vous avez aimé l'univers de Dragon Ball, il y a du Dokkan Battle. Et puis peut-être une surprise vers la fin du mois, début du mois prochain. Je vous en dis pas plus, pour l'instant rien n'est sûr, mais j'y ai réfléchi et il y a de fortes chances que vous ayez une petite surprise pour la fin mars, début avril. Voilà, moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.